Mathieu, tu as fait un joli visage. C'est la direction. Alors. Ça va, vous êtes, ça va mesdames, ça va les précieuses, ça va mes jolies, c'est hypocrite, c'est ce que je dis. Je vous aime, je vous ai dit de là à là, on va faire un peu. Tu auras beau faire ça, ça passera pas. Oh. Voilà, c'est pour ça qu'il y aura de la bière. Vous voulez essayer la Alors, ils sont, bon, elles sont, ils, enfin, ils ont parlé. 5, 4, 3, 2, 1, c'est à vous. Olé. Sous le tapis rouge, et oui, ça nous a ambiancé un petit peu. On a pu écouter les sonorités des îles juste à côté. On salue d'ailleurs Sainte-Lucie, bien entendu. Lucia, I see you. Et on a pu voir des postérieurs surdimensionnés. Exactement. Alors, est-ce que c'est du vrai? Est-ce que c'est du faux? Dieu seul sait. En tout cas, ils nous ont ambiancé. Ils ont ambiancé le public. On va les laisser partir. Tout ça en musique, on vous laisse profiter. A tout de suite. Alors,
Alors je serai là pour vous applaudir et vous habiller. Oui, mais ça c'est un patrimoine. Bravo pour ce patrimoine. Madame, vous allez vous payer, vous venez. Il y aura juste 25 ans à sachet. Hein? Si vous venez assez, vous venez à des magasins. Vous prenez taille, vous voulez. Il y en a qui exagèrent, qui prennent, qui passent. Ils passent carrément du 38 au 54. Ça fait un peu bizarre. On aurait dit, c'est quand même pas très bon. Allez, merci beaucoup et continuez. Bravo! C'est éclairé, ils ont suivi le thème. Nous sommes bien à Basse-Terre pour la parade nocturne. Et on voit que tout le monde a respecté le jeu. Ambiance masse en bas pour les télévisions. Vous êtes toujours sur ETV en HD. Vous êtes avec Captain ETV. Un patrimoine, on parlait d'un patrimoine tout à l'heure, le carnaval, mais je crois que Ambiance Masse a voulu laisser passer un petit message concernant un autre type de patrimoine. Exactement, en tout cas, on en profite vraiment pour saluer toutes les autres îles, bien sûr, qui nous regardent. La Martinique, la Dominique, Haïti, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Sainte-Lucie, Trinidad. Bien que Trinidad, je pense que vous n'avez pas trop le temps de nous regarder. Barbade, mais si vous nous regardez, welcome to Guadeloupe, this is the Carnival of Guadeloupe. We are in Basse-Terre. Ce soir, toujours avec Miss, bien sûr, ETV 2020. On vous rappelle encore une fois que demain, c'est la grande parade du winner, ici même à Basse-Terre. Avec plus de 50 groupes qui passeront demain. Exactement. Et ça va se terminer très tard, cette histoire. On sera là de 13h à au moins 1h du matin. On vous rappelle aussi qu'à partir de 10h, stationnement, circulation, tout ça sera interdit. Donc venez garer vos voitures très tôt, venez avec une petite chaise en cas et venez vous abuser ici même à Basse-Terre pendant que le prochain groupe arrive déjà. Et oui, là encore une fois, il y a plein de lumière, ça se passe juste. Mais c'est le thème, hein, c'est le thème, et lumière. Oui, c'est beau, honnêtement, c'est beau. Vous avez vraiment de la chance si vous regardez tout ça en HD sur ETV parce que vous pouvez vraiment profiter du spectacle. Et n'oubliez pas de voter, n'oubliez pas de voter pour votre groupe préféré, c'est important. Basse-Terre, c'est la Zakabaï. On va rappeler justement le parcours. Si vous êtes chez vous et que vous voulez venir participer, on vous rappelle que le départ s'est effectué à la rue Lardenois qui passe devant le champ d'Arbo. Oh, qui passe, qu'est-ce que tu crois? Je l'ai fait moi-même, je l'ai dessiné avec mes simples petits moyens. Qui passe bien sûr devant la cathédrale, qui fait le tour devant la mairie et qui se termine devant le palais de justice. Donc vous avez encore le temps, il y a de l'ambiance. On vous rappelle aussi qu'après la parade demain soir, il y aura aussi un Juve Morning. Juve Morning, qu'est-ce que c'est? Joue ouvert à partir très tôt le matin, mercredi matin. Ça va se passer ici même à Basse-Terre. Le carnaval n'est jamais terminé ici à Basse-Terre pendant que le groupe Bouillotte Doré arrive maintenant. Eh oui, on salue bien sûr Bouillotte. Saga, I see you. On vous laisse profiter. Lumière, profitez, musique, on revient tout à l'heure. Et on revient tout de suite. À tout de suite. Thank you.
Charlotte Doré qui met en avant l'indécence des lustres d'antan. Et oui, à l'ancienne, les lustres, comme c'était beau, comme c'était bien réalisé. En tout cas, le char est juste à côté de moi, la reine est juste à côté de moi. Un petit mot de la reine, peux-tu nous expliquer un petit peu ce char, ce décor et ses costumes? Alors oui, d'abord, bonjour, enfin bonsoir à tout le monde. Ça va, Mouillette Doré? Alors notre thème ce soir, c'est l'iridescence des lustres d'antan. C'est-à-dire que c'est un effet d'optique, comme par exemple les bulles selon la luminosité, l'angle de vue, on voit une couleur différente. Donc c'est ce soir ce qu'on a choisi de représenter. Le thème est complètement respecté. Alors, ce soir et tout ça. Ah, des mois, franchement, des mois, parce que c'est du travail, c'est très minutieux. Et mais vraiment, pour plus de détails, pour la durée exacte, c'est vraiment notre président qu'il faut voir. Mais ça nous a pris du temps. En tout cas, félicitations pour ce costume. Merci. Franchement, bien réalisé. Oui, vous êtes un groupe qui existe depuis combien de temps? Environ une dizaine d'années. Dizaine d'années. Félicitations pour le char. Merci. Il y a la télé par le câble, il y a plein de choses. Et oui, vous avez pu voir, c'est beau, c'est lumineux, c'est prestigieux. C'est Bastère le lundi soir. On vous invite encore une fois de venir. On est loin d'avant terminé. On a eu plusieurs groupes. En tout cas, juste derrière moi, le groupe se prépare. 2 minutes 30, chorégraphie. N'oubliez pas, donnez une note. Encouragez vos groupes. Votez. Encouragez. Bien entendu, on vous donne rendez-vous demain, encore une fois, parce que demain encore, ce sera somptueux. On va vous laisser écouter l'explication sur juste après. Et ils auront 2 minutes 30 pour convaincre le jury. A tout de suite. Une couche de cristal, de la poudre, une couche cristalline de pierre produisait un phénomène d'iridescence, c'est-à-dire un reflet optique rappelant un arc-en-ciel avec toutes ses couleurs et toute sa violence. Donc ce soir, vous êtes l'éclat lumineux de cet arc-en-ciel, n'est-ce pas? L'arc-en-ciel a bien respiré. Vous observez 5. Je ne suis pas la chorégraphie commence par derrière. You are air. Elle n'est pas qu'on marche à vie. C'est des voitures automatiques. 5, 4, 3, 2, 1. Elle m'a éliminé. Thank you.
Quel synchro! Excellent! Et ce petit mélange, cette reprise d'instruments avec le French Bouillon, bien sûr, vous avez tous reconnu la musique de base. Oui, vous avez whiné chez vous? Oui, c'est pour ça. On aime ça aussi. Encore une fois, on vous rappelle que le thème aujourd'hui, c'est éclat lumineux. Regardez-moi cette ambiance. Profitez de l'ambiance. J'avais mal aux jambes, c'est pas gentil. Et oui, c'est ça, donc l'ambiance. Le soir, parade nocturne, encore une fois, on n'est jamais fatigué. On vous rappelle encore une fois qu'on va se quitter dans à peu près une heure. Que demain, on vous donne rendez-vous à partir de 13h sur ETV, chaîne 23 sur le SAT. Et bien sûr, sur ETV.gp en live. On salue tous ceux qui sont en France et qui nous regardent. Vous n'êtes pas fatigué, je le sais, même si vous travaillez demain. Mais vous n'êtes pas fatigué, il doit être 4h, 5h du matin. Merci à vous de nous suivre. Encore une fois, ils vont nous quitter en musique. On se retrouve juste après. On se retrouve juste après cette musique haute en couleur. On y va. Que du bonheur. Franchement, le carnaval de Guadeloupe, il est vraiment magnifique. Et il est lumineux. Hein. Il est très lumineux. En plus, il est classé 3e au niveau mondial. Donc franchement, il est magnifique. Ça mérite d'être signalé. Voilà, tout à fait. Qu'est-ce que ça apporte d'être roi de carnaval? Ça apporte de la communication. Franchement, étant roi, on touche beaucoup de personnes, on rencontre beaucoup de personnes. C'est la joie, surtout c'est le carnaval. C'est la tradition guadeloupéenne. Donc en fait, surtout qu'on le fait à Paris. Donc c'est un honneur et un plaisir de le porter. Merci infiniment. Une petite question peut-être. Comment devient-on roi, juste avant? Si je veux devenir roi, est-ce que je peux? Tout à fait, tu peux. Il faut juste. Tu peux pas, t'es déjà super héros, ça suffit. Il faut juste te présenter et avoir un thème et le représenter et puis être roi tout simplement. Et voilà. Tu t'es inscrit tout seul ou ce sont des amis qui t'ont inscrit? En fait, ce sont des amis et surtout c'est une amie qui m'a inscrite, qu'elle représente, elle s'appelle Chimène, parce que je fais partie d'un groupe qui s'appelle Tropicana. Donc du coup, nous sommes venus aussi pour la première fois en Guadeloupe. Donc nous avons participé effectivement au carnaval de Pointe-à-Pitre. Demain, nous serons à Basse-Terre. Donc effectivement, c'est grâce à elle si je me suis présenté et aussi avec le groupe Tropicana qui était derrière moi pour me présenter aussi. Merci infiniment. Merci à toi pour ton intervention et surtout bon carnaval. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Alors que se prépare, le char de Piquant avec éclat de lune. Alors là, on ne pouvait pas.
pas mieux tomber. Un autre type de lumière encore. Exactement. Encore une fois, on va vous laisser profiter. On arrive pratiquement déjà à la fin de cette parade nocturne du lundi gras ici même à Basse-Terre. Mais on a encore quelques groupes à vous montrer, à vous dévoiler. J'espère que le spectacle vous plaît. On vous rappelle encore une fois que si vous êtes à Basse-Terre, n'hésitez pas à descendre parce qu'on est là jusqu'à très tard. La parade va se terminer près du palais de justice. Donc vous avez le temps. Descendez, allez à Basse-Terre, dansez, chantez, partagez, c'est l'homme où. Je vous rappelle que mercredi tout ça c'est terminé. Mercredi tout tombe ensemble. Tout tombe. Elle a de bonnes paroles. C'est pour ça que je l'ai invité. En tout cas, on vous laisse profiter. Le groupe Piquant sur le tapis rouge. A tout de suite. A tout de suite. Et bien sûr, on salue la commune de Vieux Habitants. Encore une fois, toutes les communes sont représentées. Un groupe Piquant qui est originaire de Vieux Habitants. Il fun son char, hein. Et c'est qu'il y a du boulot derrière tout ça. Évidemment. N'a pas été abordé encore aujourd'hui. On va même profiter pour aller saluer la reine. Un petit mot de la reine, qu'est-ce que vous représentez exactement ce soir? L'éclat lumineux. Et là, vous êtes sur un petit nuage, c'est ça? Oui. C'est dans combien de temps à peu près pour construire tout ce char? Environ 2 mois. On va demander à monsieur, vous étiez à combien? Vous étiez au moins à une vingtaine, cinquantaine? Ah non, on était à 5 ans. À 5? Ouais. Mais vous êtes payé? Et non, pas du tout. C'est l'amour qui fait avancer. Bénévolat. En tout cas, merci et bravo. Merci. Il y a une urgence, il y a une ambulance qui veut passer. Merci Piquant. Hervé. L'agence Panchard Voyage, Sixte, Café Cholette, Blandin, Vega Assurance et Nina Dessy. Merci encore. De mystère, c'est le cas de la belle sous la lune, celle qui dure peu de temps, comme aux Antilles, sous le nom de berceau de Moïse. Est-ce que vous connaissez ça? Le berceau, oui, nous, vous ne connaissez pas le berceau de Moïse. Nous, on connaît. Je connais cette phrase. Il y a pas ça là-bas. Je suis tellement fier de mon pays que lorsqu'on parle de ça, j'ai presque envie de ne pas m'arrêter. Alors, donc cette ravissante fleur ne s'épanouit que la nuit. Que la nuit. Alors, lors de son ouverture, elle dégage un parfum odorant, enivrant et particulièrement subtil et agréable.
cette fleur dévoile toute sa magie en laissant apercevoir en son centre comme un bon aberto protégé par les pétales. Nous vous présentons notre éclat de lune, cette beauté à floraison rare qui fait un coup d'éclat et s'ouvre ce soir pour vous tel un diamant précieux et féerique pour illuminer toute la vie. Monsieur énervé, c'est à toi.
se termine la chorégraphie du groupe Piquant. Eh oui. Donc à danser pour ça, à droite là. On vous laisse profiter de l'ambiance à notre ambianceur. Mais attends. Monsieur Théophile, on comprend maintenant pourquoi Piquant a fini prix meilleure ambiance au carnaval Limas à Sainte-Rose. Encore une fois, c'est le groupe Piquant. On salue vieux habitants, on salue Bouillante, on salue tous les groupes qui ont défilé ce soir, c'était extraordinaire. On salue aussi les chorégraphies, les costumes, les costumes de Piquant étaient tout en guirlandé, c'était magnifique. Exactement, et qu'il faut venir, absolument. La parade winner de Basse-Terre, ça va se passer ici. On va prendre l'antenne aux environs de 13h. On va terminer vers les minuit. Il y aura de l'ambiance, il y aura du peuple. Il y aura vraiment de quoi vous régaler. Encore une fois, on invite tous les pointois à se rendre ici même à Basse-Terre. Et il faut faire honneur à la lumière. À la lumière, c'est ça le thème principal. Les éclats lumineux, c'est magnifique. Vraiment, ça vaut le tout, ça vaut le coup. Exactement. Regardez-moi cette voiture. Je veux la même pour mon anniversaire. On vous donne rendez-vous encore une fois. On salue vraiment tous les techniciens. On salue Hervé derrière la caméra. On salue Bruno et JC qui sont en régie. C'est bon, les gars. Rendez-vous demain. Il est important de saluer les gens qui sont entre guillemets dans l'ombre et qui sans lesquels on serait rien du tout. Voilà. On salue tous les techniciens de TV97 bien sûr qui sont là et aussi qui font le travail. Encore une fois, on vous donne rendez-vous demain pour la grande parade. Volkswagen. À demain. À demain pour de nouvelles aventures carnavalesques. Ciao. Attention.